Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on fête les 15K. Et pour fêter les 15K, les amis, je lance opération cadeau sur la chaîne YouTube. Let's go! Donc, comme je disais, les amis, tout au début de cette vidéo, je fête les 15K. Ouais, déjà les 15K, les amis. On a même dépassé les 15K, les amis. On est actuellement quasiment à 15 200. Bon, vous voyez encore 15 100, mais on a plus que, 5 abonnés pour les 15 200. Déjà, franchement, ça, que le temps passe vite. Donc, je tenais aussi, au passage, à m'excuser pour la vidéo qui a tardé à arriver, les amis. Après, il est arrivé plusieurs choses sur la chaîne. C'est-à-dire, j'ai eu le Covid pendant une semaine. J'ai pas pu faire de live, j'ai pas pu faire de vidéo. Je tenais à m'excuser. Parce que quand on a le Covid, on peut pas faire grand-chose. On est tellement fatigué que, voilà, quoi. On reste couché. Donc, je tenais vraiment à m'excuser pour la vidéo qui a tardé à venir. Mais maintenant qu'elle est là, je vais vous dire tout qui va se passer sur la chaîne, les amis, pour fêter les 15K, je le rappelle au passage. Donc, les amis, le premier cadeau, je dirais même le premier concours, les amis, parce que ça va être un concours, va commencer dès le 11 avril sur Twitter. Ça va être très très simple, les amis. Donc, il faudra que vous vous abonniez à mon Twitter. Donc, sur mon Twitter, il y aura une image, d'accord, du cadeau en question. Je vais vous faire voir dans quelques instants qu'est-ce que ça va être. Donc, c'est très simple, les amis. Sur l'image, il faudra mettre un petit cœur, comme je dis, un petit cœur sur en dessous la vidéo, le retweeter, s'abonner à mon Twitter et s'abonner à ma chaîne YouTube et mentionner un ami. Et c'est vraiment un très très beau cadeau d'une valeur de 150 €. Voilà, je vous le dis, je rigole pas. Le cadeau, c'est une valeur de 150 €. Donc, qu'est-ce qui a gagné, les amis? C'est tout simple. Il y aura la photo sur le Twitter. C'est ça, les amis, qui a gagné. Voilà. C'est le Pro Controller de Nalcom. C'est la Révolution Pro Controller 2, les amis. Voilà, comme vous pouvez le voir. D'accord, on est sur PS4, mais elle fait PC aussi, hein. Il y a une fonction PC. Voilà, donc pour ceux qui jouent sur PC, vous pouvez la faire marcher sur PC, ça marche très très bien. D'accord, donc c'est facile, les amis, je mettrai la photo là, qui a la photo de la manette sur Twitter. Il suffira de mettre un petit cœur, de la retweeter, de mentionner un ami et d'être abonné à la chaîne. D'accord, je demanderai tout simplement en commentaire sur le Twitter de mettre une petite capture d'écran. De toute façon, tout sera expliqué sur Twitter, comme je le répète. De prendre une capture de ma chaîne YouTube, quoique vous êtes bien abonné. D'accord, maintenant, ça se passe sur ma chaîne YouTube. Comme je dis, toujours du 11 au 17 avril. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur ma chaîne YouTube? Et je pense que tout le monde va être content. Vraiment, parce que tout le monde aime ce genre de cadeau qui va se passer sur YouTube. Donc, écoutez-moi attentivement encore une fois. Qu'est-ce qui va se passer sur YouTube? Il suffira d'être abonné pour participer, les amis. Il faudra être abonné à ma chaîne YouTube. Encore une fois, parce que je veux que c'est un abonné qui gagne les cadeaux. C'est normal, les amis, parce que je vais pas faire gagner un non-abonné. Je pense que vous le comprendrez. Donc, le chat sera en mode abonné, d'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer, les amis? 4 jours. Donc, lundi 11 avril, je lance le concours sur Twitter. À partir de mardi, mercredi, jeudi et vendredi, tous les jours, j'ai bien tous les jours, il y aura un tournoi par jour. En tout, il y aura 4 tournois. Et je sais que vous aimez les tournois, les amis. Donc à partir du 4, enfin à partir de mardi 12 avril, il y aura 4 tournois en solo, les amis. Les 4 tournois seront en solo. Je sais qu'il y en a qui aiment bien en duo, en section, en trio, mais c'est un peu compliqué à faire. D'accord, c'est un peu plus, c'est un compliqué à faire. Du coup, je préfère faire en solo, comme ça, vous avez une chance. Je sais, ça fait pas beaucoup une chance sur le nombre d'abonnés, le nombre de gens qu'il y aura. Ça sera difficile. Le tournoi sera difficile, d'accord. Le tournoi sera très difficile parce que les règles ont un peu changé, les amis. Je vais vous expliquer dans quelques instants. Donc, j'en suis désolé pour ceux qui aiment bien les tournois en duo, section, trio. J'en suis désolé, mais ça sera uniquement en solo, d'accord. Et écoutez-moi bien, les amis. Qu'est-ce qu'il y aura à gagner, les amis? Ça, je pense que tout le monde le veut le savoir.
Je vais vous le dire dans quelques minutes. Mais avant de vous le dire, je vais vous dire les règles, les amis. C'est très simple. C'est très simple, les règles. Les règles du tournoi. Écoutez-moi bien. Le mardi, à partir du mardi 12 avril, le premier tournoi sera en solo, sans construction. Le mercredi 13 avril, deuxième tournoi, toujours en solo. La règle du tournoi, ça sera sans construction aussi. Voilà. Il y aura deux, vous avez compris, les amis, mardi 12 et mercredi 13 avril, deux tournois sans construction. Il n'y a pas de règle, parce que forcément, les constructions seront enlevées automatiquement grâce au mode sans construction, d'accord ? Voilà, ça c'est cool. Donc, deux tournois sans construction. Donc, les amis, le jeudi 14 avril, il y aura le troisième tournoi. Et le troisième tournoi sera avec construction, toujours en solo, d'accord ? Toujours en solo. Le quatrième tournoi, c'est-à-dire le vendredi 15 avril, sera en construction. Comme ça, tout le monde sera content. Comme vous l'avez compris, deux tournois sans construction et deux autres avec construction. Voilà, et toujours en solo. En ce qui concerne les règles du participant. Donc, les amis, les participants, tout le monde peut participer. Les abonnés, les modos, les membres soutien, tout le monde peut participer. Si par exemple, les amis, je vais ajouter le truc. Si par exemple, il y en a un qui a gagné le mardi 12 avril, le tournoi sans construction. Si par exemple, il y en a un qui a gagné. Mettons, c'est moi. Allez, c'est Ch'ti. Je vais me nommer. Mettons, c'est Ch'ti qui a gagné le tournoi, le premier tournoi sans construction. Le lendemain, il veut rejouer. Le lendemain, il veut reparticiper au tournoi. Eh bien, vous savez quoi ? Il peut, les amis. Pourquoi ? Parce qu'il pourra cumuler. Par contre, les amis, attention, s'il décide de participer tous les tournois et qu'il gagne tous les tournois, c'est le jackpot pour lui. D'accord ? C'est le jackpot. Je vous dirai combien il a gagné. De V-Bug en tout. C'est le jackpot. Croyez-moi, c'est le jackpot pour lui. Mais attention, si par exemple, il participe au tournoi qu'il gagne, si par exemple, il perd le deuxième, malheureusement, et il perd tout. D'accord ? Vous l'avez compris. Après, s'il gagne et qu'il veut pas participer, il gagnera le cadeau du premier tournoi. Si par exemple, il fait un, deux tournois, qu'il gagne les deux tournois et qu'il décide d'arrêter, il gagne les cadeaux des deux tournois. Mais si par exemple, il décide de remettre en jeu à chaque coup et qu'il perd, malheureusement, il perd tout. D'accord ? C'est quitte ou double. Donc, soit qu'il peut tout gagner ou soit qu'il peut tout perdre. D'accord ? Mais il arrête à tout moment. D'accord ? Si par exemple, il décide d'arrêter le deuxième jour, qui dit j'arrête, je garde mon cadeau, il gardera son cadeau, d'accord ? Mais attention, si par exemple il me dit non, je le remets en jeu, je veux participer, dès qu'il m'a dit ça, il remet en jeu et s'il a perdu, il perd tout, d'accord ? On est bien d'accord là-dessus, on est d'accord. Donc il peut vraiment bien gagner ou il peut tout perdre. Ça, c'est lui qui décidera, les amis. C'est lui qui décidera. Voilà. Voilà la règle, les amis. Donc, qu'est-ce qu'il y a à gagner, les amis, durant le tournoi ? C'est facile, il y aura à choisir dans la boutique Forktite, d'accord ? Le premier tournoi en solo, sans construction, écoutez-moi bien, sans construction, il gagnera 1000 V-Bucks. 1000 V-Bucks, le premier tournoi. Le deuxième tournoi, il gagnera 1000 V-Bucks. Toujours sans construction, les amis, d'accord ? Donc, s'il gagne deux fois, il peut gagner 2000 V-Bucks. Le troisième tournoi avec construction, il gagnera 800 V-Bucks, parce que c'est plus facile avec construction. D'accord ? Il gagnera 800 V-Bucks. Donc, pour l'instant, ça fait 2800 V-Bucks qu'il peut gagner. Le quatrième tournoi, toujours avec construction, il gagnera 800 V-Bucks à dépenser dans la boutique, bien sûr. Donc, en tout, il gagnera 3600 V-Bucks s'il fait les 4 tournois et s'il gagne les 4 tournois. Vous l'avez compris. Si, par exemple, il en fait 3, qu'il gagne les 3 et qu'il décide de rejouer le 4, il peut tout perdre, les amis. Je vous le dis. En tout, il peut gagner 3600 V-Bucks. Mais s'il décide de rejouer. Et en plus, le lendemain, le samedi 16 avril, je fête mon anniversaire avec vous. Voilà. Donc, il faudra bien regarder l'onglet communauté, mes horaires de live, ou sur mon Discord, d'accord ? Vous pouvez aussi m'ajouter sur mon Discord. Mais regardez bien, surtout, l'onglet communauté, parce que des fois, il y a des petits messages dans l'onglet communauté. Je vais vous faire voir où c'est l'onglet communauté. C'est juste là, les amis. Voilà. Donc, je mets mes horaires de live. Qu'est-ce que je fais ? Je mettrai vraiment, mardi 12 avril, je mettrai tournoi sur la chaîne. Voilà, à chaque fois, je ferai ça. D'accord ? Par contre, les amis, me demandez pas l'heure. D'accord ? Je ne sais pas moi-même l'heure. Quand est-ce que ça sera l'heure ? Me demandez pas toutes les 5 minutes. Ouais, à quelle heure tu fais ton tournoi ? Je ne saurais pas. Vraiment, je ne saurais pas. Vous le saurez autant voulu. D'accord ? Je sais que ça sera pas facile. Je sais qu'il y en a un qui a la pression, les amis. Mon petit Xerox qui a gagné deux fois les tournois,
D'accord, j'ai fait des tournois auparavant, il a gagné deux fois en solo, et là, il va remettre son titre en jeu. J'avais oublié aussi la règle aussi, pas de mode anonyme, d'accord. Celui-là qui sera en mode anonyme et qui gagne, il ne pourra pas participer, les amis, d'accord. Parce que faut vraiment je sais son épique, ok. Faut vraiment je sais son épique, parce que s'il est en mode anonyme, je ne saurais pas qui c'est. T'as pour me dire dans le chat, ouais, c'est moi qui ai gagné, t'as pas de preuve. Donc, forcément, faut être en mode normal. D'accord ? Assurez-vous que vous êtes en mode normal quand on commencera le tournoi. Parce que celui qui met en mode anonyme et qui participe au tournoi et qui gagne, il ne pourra pas gagner. D'accord ? Qu'on est bien clair là-dessus. Donc voilà qu'est-ce que je pouvais dire sur la vidéo des 15K. Bonne chance à tous pour ceux qui participeront au concours de la manette et au tournoi. Bonne chance à tous. Moi, je vous dis à très très bientôt. Merci encore du soutien, vraiment. Vous êtes dans mon cœur tous, même les rageux, on va dire ça, même les rageux, je vous aime. Voilà, vous faites vivre la chaîne quelque part, vous faites vivre la chaîne parce que vous venez sur la chaîne, donc forcément ça me fait une vue en plus et moi je suis content. Donc forcément vous participez aussi à vivre la chaîne. Voilà. Donc nous on se retrouve dans un prochain live, une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Continuez encore d'être présent sur mes lives, du soutien, je vous aime et je vous dis à très très bientôt et bonne chance à tous.